je suis Jean-Marc Rive, l'auteur du livre Les pouvoirs du crâne de cristal. Je suis né à Rabat. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie au Maroc, un pays chargé d'histoire et de préhistoire. Lorsque j'étais enfant, j'allais avec mon père sur les sites archéologiques et les vestiges romains. Le plus célèbre, c'est Volubilis, bien sûr, dans la région de Meknès. Et c'est sans doute ce qui m'a donné le goût de l'archéologie et plus tard m'a poussé à écrire sur ce thème. Il s'agit d'un roman ésotérique et historique basé sur des faits réels et des légendes. Donc c'est l'histoire de quatre hommes et une jeune femme britannique qui vont découvrir un secret jalousement gardé par quelques initiés en ce monde qui pourrait profondément bouleverser, modifier le destin de l'humanité. J'ai écrit en 1996 un ouvrage intitulé « Les mystères du Sphinx » et j'ai continué donc sur ce thème parce que je suis vraiment, on va dire, impressionné et puis attiré par l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, sa grandeur et sa démesure, mais également par les civilisations qui ont précédé cette Égypte pharaonique. En fait, je pense que ces trois disciplines sont étroitement liées. La poésie et la musique des mots, la peinture, l'expression d'un sentiment. Lorsque j'écris, j'essaie de retrouver instinctivement cette musique et je traduis des sentiments. Je peux dire que je commence par me constituer une importante documentation. Je fais des recherches de façon à coller le plus possible à la réalité. Je ne souhaite pas inventer. Ensuite, bien sûr, l'imagination et la passion d'écrire, on va dire, font le reste. J'écris, je peux dire que j'écris tout le temps, à toute heure du jour et parfois même de la nuit. Il m'arrive de me lever quand j'ai des idées qui me passent par la tête pour les noter. Et je les reprends, bien sûr, le lendemain. Platon, dans la Timée et le Critias, qui parlait notamment de l'Atlantide. Edgar Cayce, qui a écrit Les mystères de l'Atlantide. Christian Jacques, pour son livre sur l'affaire Toutankhamon. Et il y a aussi donc l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt qui a écrit la Grande Nubiade. À tous les passionnés d'ésotérisme, d'archéologie et d'Égypte ancienne, bien entendu, mais également à tous ceux qui aiment des romans d'aventure, des récits d'aventure basés sur des faits historiques. Mon roman s'inspire de La malédiction des pharaons, les mystères de l'Atlantide, les mystères des Bermudes, les mystères du Sphinx, bien évidemment, et bien sûr les mystères des crânes de cristal. Je suis en train d'écrire un roman autobiographique qui emmènera le lecteur au Maroc, cette fois-ci, bien entendu. Et je travaille aussi sur une œuvre philosophique. Et bien sûr, j'ai beaucoup de projets
d'exposition de peinture et de poésie. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais qui ne sont pas encore développées. Même si mon ouvrage est une fiction, il n'est pas exclu qu'un jour cette fiction devienne réalité. Oui, parce que même si nous n'avons aucune preuve scientifique, nous ne pouvons pas non plus écarter le fait que ces mystères restent des mystères. Et c'est tout le problème des scientifiques qui se posent la question, va-t-on un jour découvrir la réalité de cette découverte qui a eu lieu notamment en Égypte sur le plateau de Gizeh?